Yo tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel aujourd'hui les frérots. Nouvelle vidéo dans mon studio. Comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, on n'est pas tout seul déjà. Regardez, nous sommes avec Dobby aujourd'hui. Aujourd'hui les petits potes, vous avez vu le titre. Qu'est-ce qu'on va faire? Regarde. J'ai mon maillot TikTok. Pourquoi j'ai mon maillot TikTok aujourd'hui? Parce qu'on va reproduire des life hacks TikTok, tout simplement. C'est carré, gros. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait déjà fait une vidéo comme ça, les gars. La vidéo sera disponible juste là, là, quelque part dans le coin. Aujourd'hui, épisode 2, on continue. Il y a plein de nouveaux life hacks à tester. J'ai envie de vous dire, c'est parti. Je vais aller sur mon téléphone, je vais aller sur TikTok. Et nous allons voir le premier life hack. Et nous allons devoir le reproduire. Déjà, les gars, en vrai, là, je vais faire semblant de découvrir les life hacks. Alors qu'en vrai, on a déjà tout préparé. Bref, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Premier life hack. Regardons ça tout de suite. En vrai, je les redécouvre parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Ok, on découpe un ballon. On prend un truc de papier toilette là. On met le ballon autour avec du scotch. Ensuite, on a des post-it, donc vraiment rien à voir. On découpe les post-it, on les met dedans. Et normalement, on obtient un canon à confetti. Donc si on a ça, c'est stylé. On va tester ça tout de suite. C'est parti les gars, allons nous installer. Alors déjà, ah, il nous fallait ça. Ça vient de chez toi ça, Dobby? Tout le papier, je l'ai utilisé pour... Pourquoi? Pour faire caca, après avoir fait caca. Oh vas-y, tu dégoûtes. Attends, c'est ça les post-it? Ouais. Faut que j'enlève tout là comme ça. Ok, attends. Déjà, il nous faut ça. Il nous faut un ballon. On prend quelle couleur le ballon? Jaune. Ok, moi je dis rose. Oh, ouais, c'est trop. Attends, je te jure, j'ai pas triché. Donc déjà, dans un premier temps, il nous faut les post-it. Bon, c'est pas exactement des post-it qu'on a les gars, mais c'est pareil, ça fait le taf. Pourquoi on n'a pas pris des post-it simples? Bah en fait, j'avais pas dans le drive pour prendre des post-it. Ils sont collés en... Vas-y, on va trouver des post-it là, par ici. Partons à la recherche de post-it, gros. Mec, je vais demander à tout le monde. Est-ce que t'as des post-it? J'ai la tête à avoir des post-it ici. Il nous faut des post-it, frère. Linda, dis-moi, est-ce que tu sais où je pourrais trouver des post-it? Toutes les couleurs possibles. Ouais. Non, c'est bon. On a trouvé des post-it. Du coup, les gars, le temps que les post-it arrivent, bah on va commencer. On va commencer le DIY tout simplement. On le découpe à peu près à la moitié. Ouais, j'ai réussi gros. En plus c'est découpé droit. Ok, bah ensuite c'est simple, on prend le ballon. Je l'écarte au max. Oh là c'est bon là, c'est parfait là non? Après il nous faut, les post-it pour les confettis. On les met dedans et logiquement après tu fais... Oh, oh les post-it. Ah ouais voilà. Oh là on est servi en post-it. Là, il va y avoir des confettis. Okay. Par contre, ça va foutre le bordel, ouais. Ok, là, des post-it jaunes, on en a assez. Là, je vais découper des roses. Comme ça, déjà, on va essayer si ça marche. Ok, donc là, à partir d'un truc de toilette, un ballon et des post-it, nous devrions avoir, attention... Oh, ça marche, gros. C'est trop bien. Ouais. Bonne année. Mec, tu m'as fait trop peur, gros. T'avais trop peur. T'as fait ça toi-même, je te crois pas. Pourquoi t'as peur comme ça? Par contre tu vas venir nettoyer mon petit ref. Il y a une salle à Webedia, ouais. Incroyable, c'est ça, regarde. Oh c'est quoi ça? Parce que je crois que tu vas utiliser le matériel qu'il y a là-dedans pour venir nettoyer. Mais gros c'est ton studio, tu te débrouilles. Ok, prochain truc que tu fais ça doit être mieux que ça. Ok, on va passer au deuxième DIY, vous allez voir. Deuxième DIY les gars, regardez. Là il faut impressionner Inox. Inox il a dit je t'attends avec un deuxième DIY qui doit être encore mieux. Regardez bien ce deuxième DIY. Nous prenons deux stylos, une épingle à nourrice. On relie les stylos entre eux les gars. Là on fait, bon là, je sais plus expliquer ce qui se passe, faut faire des trucs. On va essayer de faire ça et là normalement à la fin on doit avoir une arbalète de fou les gars. Gros ça a l'air incroyable, là c'est une vraie arbalète. Sachez que premier épisode on avait déjà fait une petite arbalète qui marchait très bien. Mais là normalement c'est niveau supérieur, j'ai envie de vous dire. C'est parti, faisons ça, par contre ça a l'air vraiment compliqué à faire. Hop, on a les stylos. Franchement, déjà, moi je remarque quelque chose. Les stylos, c'est pas exactement les mêmes que sur le TikTok. Parce que sur le TikTok, ils sont orange. Donc si ça marche pas, c'est pas de ma faute. C'est à cause des stylos. Voilà, retenez bien. C'est pas des stylos, surtout. Oui, c'est des crayons de bois, c'est pareil. Crayons de bois, tu dis toi? Moi, j'ai dit crayons papier. Ah ouais. Oh le débat. Mais crayons de bois, frère, c'est logique, tout le monde dit ça. Je pense que tu vas voir n'importe qui. Si tu demandes c'est quoi, ça veut dire c'est un crayon papier. Frère, faut pas me dire ça. Hein. On va aller voir Wakit, celui qui monte cette vidéo d'ailleurs. Ça va gros? Ça va. T'es en plein taf? Ouais, tu travailles fort. Ah ouais, tu travailles fort là, t'es sur l'album de Cob. Hein. Non, non, ça c'est juste un bug. Je suis en train de travailler là. Non mais gros, j'ai une question, ça s'appelle comment? Un crayon. Non, mais un crayon quoi? Un crayon à papier. Oh non. Allez. Vas-y. Écoute, comment il appelle ça? T'appelles ça comment toi? Crayon de bois, non, t'appelles ça? Crayon de bois, ouais. Bannir ça. Ouais gros. Bannir. Bah je vais changer de monteur. Ah ouais. Ah ouais. Ok, bon bah t'as gagné. Allez. Les gars, dans les commentaires, qui dit crayon de bois, s'il vous plaît, me laissez pas. Du coup, je prends deux crayons, je les attache entre eux, faut une épingle. Ah non, tu te fous de ma gueule. Là, ça va être une vraie arbalète, mon gars. Ok, on a trois élastiques. Donc, comment j'attache? Je fais ça, hop. Voilà, ça tient bien là. Vas-y, maintenant mets la pince dessus. Ah, en fait, faut que je le mette comme ça. Et là, tu l'attaches avec d'autres élastiques. Ouais, d'autres élastiques, ouais. Hop là. Déjà, on a un bon début, hein. Ok, du coup, je reprends deux crayons de bois, je les reattache. Je vais me faire un bandeau comme dans Koh-Lanta.
Hop, nouveau DIY les gars. Mais tu sais que ça me compresse le crâne. J'ai un bourrelet du front. C'est dangereux en plus, arrête, arrête. Aïe. Oh. Eh mais mec, ça me compressait vraiment le crâne. Hein. Mais je comprends que les pastèques elles explosent. Vas-y, bon, là, je pense qu'ils sont bien connectés là. Donc là, faut les attacher comme ça les gars. Attends, mais c'est super dur. Eh mais là, elle a vraiment de la gueule. Hein. Attends, il y a encore des trucs à faire là. Ouais, ah oui, il faut découper un tube et le mettre ici. Ah, on prend un tube de colle. Donc on va utiliser un tube de colle qu'on va mettre là. Mais par contre, faut le vider. Let's go. Donc maintenant, on l'attache là, là. Mais attends, mais là, ça va partir à une puissance de fou là. Ouais. Attends, mais tu m'as dit que les flèches là, c'est encore des crayons. Bah, on a commencé avec des crayons. Mais gros, crayons. Mais t'as vu la pointe des crayons? Mais mets ton bras. Ah ouais. Mec, c'est hyper pointu, gros. L'arbalète est armée, les gars. L'arbalète est armée. Tu crois que ça va transpercer ou pas? Moi, je pense que ça transperce pas, par contre. Ça chie. Alors là, je suis déçu. Mais plus par rapport à la gueule de l'arbalète, je suis déçu. Mais plus d'élastique, frérot. Oh là, gros, on a mis 4 élastiques. Viens, on ramène Inox. Il a besoin de toi. Ouais. J'ai un nouveau DIY. Ah ouais? Voici la tête du DIY. Mec, me dis pas que c'est un arbalète. C'est une arbalète. Je vais tirer dans ça, gros. J'espère que c'est prêt. Je sais pas encore, on a pas testé. Ah, torticolis. Mais c'est trop de la merde. Bon là, on va voir si ça va vite. Mais c'est à chier, gros. En vrai, elle marche. DIY est validé. Mais j'ai le seum, quoi, putain. Ok, prochain TikTok, c'est parti. Alors, nous avons un sweat. Que va-t-on faire avec ce sweat? Je ne sais pas, regardons. On a un sweat, ok. Elle le plie. Ah mais en fait c'est un DIY pour apprendre à plier ses affaires. Oh c'est trop stylé. Mec, ça fait un oreiller carrément. Ok, du coup il nous faut un sweat. Le sweat Adobe. Nous avons donc un sweat. Alors attends, il va falloir respecter la lettre. On met la manche comme ça. Ensuite comme ça. Je sais pas pourquoi je sens que ça va pas marcher. Ouais, pour l'instant ça ressemble hein. Après là je vois pas comment je peux me gourer. Eh, on est presque parfait là. En vrai faut en faire en fait plein. Si ça marche je vais le faire. C'est vrai? Bah je pense. Oh attends. On le plie sur la capuche. Ah, ensuite on replie sur la capuche. Attends mais gros c'est incroyable. Attends mais c'est incroyable. C'est trop bien. Mais t'es pas comment il est plié. Mec ça marche trop bien. C'est validé hein. T'es vrai, regarde la transition. Et bienvenue dans le prochain TikTok. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors, on a un ballon, ok. Ah, on prend un iPhone, on appuie dessus. Et c'est censé nous faire une coque. J'ai jamais réussi celui-là. Une coque d'iPhone en ballon. T'as jamais réussi? Non. T'as déjà essayé? Ouais. Alors, attends, t'es en train de me dire, je prends un ballon. Attends, faut que je le gonfle. Ah, mais j'entends le bruit de la balle là-dedans là. Alors, attends, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? En fait, tout en le dégonflant, faut appuyer avec ton iPhone. Enfin, tu sais, genre, c'est trop. Pourquoi tu rigoles, sale chien? Parce que tu as trop cru. Mais attends, mais c'est pas normal, j'ai fait comme sur le TikTok. Ok, t'es prêt? C'est dégueulasse. C'est super moche. Ah, tu veux que je mette de la musique? Oh, ça sort de là. Ça sort de là. Essaye de le regonfler maintenant. Ah ouais. Oh, ça m'a fait trop peur. Ça marche, mais pas validé. C'est la pire coque qu'on a jamais vue, gros. TikTok suivant. Prochain TikTok, qu'est-ce qu'on a? Oh là, oh là, 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 ça a commencé trop vite. Alors déjà, on prend une bouteille, on la découpe, on découpe une paille. Oh gros, je comprends rien ce que je fais. Hein? Ça fait une voiture! Ah non, là, c'est incroyable. Je veux à tout prix y arriver. Ballon, pistolet à colle. Ah, bien vu l'écologie. Les pailles puis en plastique, en carton. On fait attention à l'écologie. Paille, bout de bois géant et bouchon pour faire les roues. Maintenant, je pense qu'on a tous les éléments. Non, on n'a pas. On n'a pas tout. Tu vois bien? Il nous manque le pouce bleu et l'abonnement. Les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. Ouais, mon gars, c'est ça, mon gars. C'est ça. C'est bon, on peut commencer. Là, on a tout. Oh, regarde. Mec, j'ai capturé mon ro. Vous êtes prêts, les gars? Salut tout le monde, c'est Michou. Oh, okay. Pas mal. Ok, tu sais quoi faire au montage, là? Je prends le cutter. Il faut que je fasse un carré, là. Let's go. Woo. J'ai fait un petit carré dans la bouteille. Ok, c'est carré. Ensuite, faut faire un trou en dessous. Alors, on a le trou ici. On a le trou en bas. Ensuite, ben, je fais un pistolet à colle. Le pistolet à colle est en train de chauffer. Pendant ce temps-là, on va déjà préparer les roues. Faut qu'on fasse un petit trou au milieu du bouchon et qu'on fasse passer un pic comme ça. T'as capté le bail ou pas? Voilà. Le picot, il passe, mon gars. Ben, maintenant, faut que je fasse ça avec 4 bouchons. Et on est bon, on a les roues. Ok, donc le pistolet à colle, il marche. Maintenant, il nous faut les pailles. Donc là, je mets les trucs comme ça à peu près. Et au pire, on les coupera si ça fait trop grand, tu vois. Ah oui, j'avoue. Là, normalement, on a des roues bien solides, là. C'est bien collé. Eh, mais
j'avoue que ça marche trop bien, pistolet à colle. Celui-là, on va appeler Inox, il va être choqué. Alors, ensuite, on accroche ça. On passe ça comme ça. On met l'autre bouchon. Là, elle a de la gueule, hein. Et ben là, normalement, on attend que ça sèche. Et ça devrait être pas mal, hein. Donc là, je peux découper, là. C'est impossible. Faut une pince, en fait. Appelle Inox. Ah, il en a une en plus, il en a fait une. Ah, bah ouais. Ouais, gros. Ouais. On a besoin d'une pince. Tiens. Si merde, mon gars. Maintenant, mon gars. Bah voilà. Hop là. Donc là, attends, viens, on teste sans le ballon, voir si ça roule. Essaie de la pousser. Oh gros, ça roule. Là, en fait, il nous manque plus que le système de ballon pour que ça avance tout seul. Ensuite, on prend deux pailles qu'on a collées entre elles délicatement. On a les pailles, on a notre voiture. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre un ballon ici, à le gonfler. Et normalement, on va faire comme ça, regarde. Ensuite, moi je pense que ça marchera pas là. C'est trop bancal notre bail là. Ouais, donc en fait il y a un problème. Bon, les petits frérots, je vais pas vous mentir. La technique de base avec le ballon là, en fait le ballon il tenait pas, à chaque fois il s'envolait. De toute façon vous avez bien vu, à un moment il s'envolait. Du coup on a essayé de bricoler avec des élastiques, des bouts de bois et tout, pour faire en sorte que le ballon il tienne. J'en peux plus, ça fait une heure qu'on est sur ce putain de DIY pour créer une voiture là. J'en ai marre, j'en ai marre gros. On va tester, là si ça marche pas, c'est mort. On pourra au moins faire ça, ce qui est déjà pas mal. Mais du coup testons. Avec ce qu'on a bricolé, il y a moyen que ça marche. Attends. Je suis sûr qu'on arrive à le gonfler plus, ça marche hein. Mec, il y a moyen, mais c'est trop dur. Faut que je me batte contre le ballon en fait, c'est ça qui rend fou. Oui. On a réussi. Ouais. On a une voiture. On va lui montrer à Inox ou pas, celui-là aussi ou pas. J'ai envie de lui montrer et qu'il soit fier de moi. Et à la fois, je me dis, putain, j'ai passé une heure pour ça. J'ai un nouveau DIY. Attends, viens, je vais te montrer. Ça fait chier, viens. C'est trop marrant, par contre. T'es prêt? Ça, mais what? Ça avance tout seul. Ouais. T'as pris une heure pour faire ça. Ça marche incroyable. Pas, ça marche pas exactement comme on veut. C'est dingue ou pas? Regarde, regarde. Ça va faire quoi? Oh, c'est trop bien. Mais gros, t'as pris une heure pour faire ça. J'ai pris une heure pour faire ça. Mais arrête de vivre. Pour le moment, c'est toujours les confettis. Mais non. Ah, non. Arrête, ça, c'est beaucoup mieux. C'est trop stylé, ça. Tu sais, tu vas réussir à me faire changer d'avis. On va avoir un challenge. Ouais. Bon, fais-moi changer d'avis, donc. Vas-y. Encore? Jusqu'à ce qu'il éclate presque, bon. Tu penses que tu peux le faire éclater? Ah, attends, t'es prêt? Tu vois la voiture? Oh, allez, parti au prochain TikTok. Prochain DIY. Ok, regardons qu'est-ce qu'on a. Il nous faut deux boîtes de Pringles. On les découpe, on les effiloche, gros. Qu'est-ce qui branle? C'est censé faire quoi là? Des lampes DIY. Oh, c'est stylé en vrai. Mais ça veut surtout dire que on va utiliser cette boîte de Pringles et qu'il va falloir la vider. Vous savez quoi les gars, en vrai faut vider la boîte. Et je vais pas pouvoir tout manger. C'est bon les Pringles mais quand même. Donc on va aller faire une distribution de chips dans Webedia. Il faut qu'on distribue tout ça gros. Tu veux des Pringles? Gros, je les mange pas. Pourquoi? Je les mange pas les chips. Mais regarde, mais regarde quoi dedans. Mec, je la mange devant toi. Mec, pourquoi tu me fais pas confiance comme ça? Ça va ou quoi mon gars? Tu veux des Pringles? Vas-y donne. Ah voilà, lui il me fait confiance, merci mon gars. Pourquoi? Mec, il croyait qu'il y avait un souci avec les Pringles. En fait on doit juste vous dire la vérité. Ouais, en fait, fallait juste vider la boîte. On veut juste vider la boîte parce qu'on a besoin de la boîte pour un DIY du coup. Et moi j'étais là en train de deviner quel goût il y avait dans le Pringles pour savoir si tu me niquais ou pas. Si tu veux, si t'en veux plein, fais ton stock gros. Bon, maintenant que la boîte est vide, nous pouvons passer aux choses sérieuses. Du coup attends, faut faire plein de lignes. On fait combien de lignes? Environ 10 quoi. Ok, il nous faut. Moi je prendrai le couteau. Ah ouais? Je le planterai droit comme ça et je descendrai. Allez. Ah et logiquement, en vrai, le résultat il est stylé. Hein. Bon, pour l'instant, ça ressemble à rien du tout. On dirait juste un fou qui avait envie de se déchaîner là. Du coup, comment je fais pour l'appliquer? J'appuie. Oh, c'est trop d'art. Ça a pas l'air d'être exactement le même rendu. Hein. Voilà, c'est bon, regarde. Faut éteindre tout le studio. Bah, déjà, faut mettre une bougie. Ah oui, faut mettre une bougie à l'intérieur. Attends, mais là, c'est impossible d'allumer la bougie. Ah! Ah, putain, tout ça pour une lampe de merde quoi. Mais j'en ai marre. Vas-y, allume. Ok, vas-y, allume. Tu vas te brûler. Oh, le bâtard, il a réussi. Quel monstre. Bravo, Dobby. Je t'adore. T'es vraiment le meilleur quoi. Bobby, mon petit gars, on va t'enlever. Et là, on va tout éteindre. J'éteins les lumières, les gars. Tenez-vous prêts. Ça marche trop bien. Je te jure, c'est apaisant. Hein. Non, en vrai, il y a un petit style qui se dégage de cette lampe. Mais franchement, elle est bien que pour Halloween quoi. Attends, mais j'avais oublié que c'était le bordel à ce point là, frère. Ah, attends, j'ai un appel. Allô? Ah, c'est le prochain TikTok? Ok, pas mal. Prochain DIY, qu'est-ce qu'on a? Attention, regardons. Une orange. Ok. Qu'est-ce qui branle? Ok, là, il est en train de tabasser l'orange vénère. Il referme. Genre ça fait un verre jus d'orange genre. En vrai si ça marche c'est incroyable. On a une petite bouteille de coca les frérots. Du coup on va découper ça tout de suite.
Ah ouais, c'est hier, moi. Téma, lui, il l'a ouvert comme ça, gros. Il a pris le bouchon. Attends, mais gros, faut appuyer vraiment trop fort. Ok, donc là, hop. Et ensuite, il plante direct, hein. Ah ouais, donc en fait... Mais attends, mais en fait, c'est tout simple. Ensuite... Tu peux le rentrer, hein, en vrai. Tu rentres ça. Dis-moi pas que tu arrives, là. Oh, j'ai réussi. Oh, donc là, faut prendre un truc. J'éclate tout dedans. Ensuite, non, bouteille. Tu bois direct. Hein? Tu crois? Attends, mais ça a l'air incroyable. Champ de bataille, là. Mais faut faire ça combien de temps? En vrai, je pense longtemps. Monsieur le barman, vous aurez un peu de jus d'orange, s'il vous plaît? Un verre de jus d'orange? Oui, c'est pas vous. De soucis. Bien sûr que j'ai ça. C'est une orange? Ouais. Non, c'est du jus d'orange. Oh! Il y a quand même genre, je sais pas, il y a 4-5 gorgées. Hein. Eh, hey, ça va, c'est pas mal. En vrai, ce qui est faisable, c'est genre tu dégommes l'orange comme ça, tu mets du vrai jus ou un cocktail, tu vois. Ah, genre là, tu veux que je vide et je bois direct. Allez, je vais boire direct dans l'orange, mais en vrai, ça a du flow, par contre. Il y a des noyaux, il y a des noyaux, gros. C'est des pépins. Ouais, il y a des pépins, frère. Eh, hey, mais en vrai, c'est trop bien. Eh, hey, du vrai jus d'orange bio, c'est une dinguerie. On a transformé une orange en bouteille de jus d'orange. Ça, c'est beau. Bref. Oh, mais attends, mais gros, mec, c'est le prochain TikTok. Ok, prochain TikTok, les petits potes, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est une dinguerie. On a commencé par le résultat direct. What? Attends, c'est une... Attends. Et si ça marche vraiment, c'est incroyable, hein. Alors qu'est-ce qu'il nous faut du coup? Il nous faut un briquet qu'on décompose. Pour récupérer quoi? Un flint. C'est la pierre. Tu la mets dans un ressort. Tu fais chauffer jusqu'à ce que ça soit rouge. Et ensuite tu jettes. Bah attends, mais c'est trop facile. Mec, je croise les doigts pour que ça marche. Si ça marche, c'est trop stylé. J'avoue, je savais même pas que ça s'ouvrait un briquet. Fais gaffe à pas perdre le petit truc noir là que tu viens de faire tomber là. C'est ça la pierre. Et tu récupères le ressort qui est dedans. C'est ça à l'intérieur d'un. Attends, il faut juste ça. Elle était pas plus grande la pierre? Bah en fait, sur un briquet 999, elle est plus grande, mais c'est des. On n'a pas de briquet comme ça. Ah merde. T'as aussi peut-être dans ceux-là. Vas-y, fais voir. C'est une pierre ça? Ouais, ça donne ça. Oh, elle est énorme gros. Eh mec, si ça marche, c'est une dinguerie, hein. Du coup les gars, on a deux pierres. On a celle-là qui est totalement abusée, qui est énorme. Et on a une petite. On va déjà commencer par la petite les gars. On va voir s'il y a des petits effets. Et dans tous les cas, on testera la deuxième après. Du coup, nous avons notre petite pierre coincée dans le ressort. Je sais pas si vous la voyez bien. La première, elle est vraiment petite. Donc, on va faire chauffer la pierre à fond. Et on va, bam, je le balance à fond par terre. Les frérots, on va éteindre la lumière pour que on voit mieux les effets. Parce que... En vrai, tu vois, ça va faire une petite flamme. Donc si la lumière, elle est grave allumée, on va pas voir la flamme. Voilà. Là, s'il se passe un truc, on devrait le voir, là. Vous êtes prêts? Déjà, là, faut faire chauffer jusqu'à ce que ça soit rouge. Mets la flamme plus basse. Ah ouais, oui, j'avoue. Je pense techniquement, là, on est bien. Hein. Là, c'est bon, là? Ouais. Tiens. Bon les gars, deuxième essai. Le premier essai était un échec total. Nous avons une deuxième pierre, cette fois-ci énorme. Là c'est impossible qu'il se passe rien. Ou alors le mec c'est du gros fake. Pour que ça devienne rouge ça mon gars? Non, rien, la pierre devient rouge. Ah, ça devient rouge, c'est incroyable. Téma, le sol. Mais attends, mais what? Oh, le sol. Ouais, ça part. Par contre là ça part pas là. Ça a fait des trous. Mec, ça a fait des trous dans le sol. C'était stylé, mais ça a niqué mon sol là. Du coup ça marche bien. Je me suis dit ça va être un échec, sachant que c'est le dernier DIY, ça serait trop dommage. Et arriver là, dinguerie frère. Si ça, ça mérite pas un maximum de pouces bleus et qu'on s'abonne à ma chaîne YouTube. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il vous faut de plus. Là je ne comprends pas. Je ne comprendrai pas là. Ça me prend la tête ça, je comprends rien gros. Il a pas de badge. Bon, et ben les petits frérots, la vidéo touche déjà à sa fin. Enfin déjà, personnellement, ça fait 4 heures avec Dobby qu'on tourne, on n'en peut plus. Mais mon studio ressemble plus à rien gros, mon sol est brûlé. Ça n'a aucun sens, ce tournage n'avait aucun sens, mais en tout cas c'est une dinguerie. La plupart des DIY ont marché, donc je suis trop content, je suis trop content. On a eu quelques fails, mais bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin les petits frérots. Si vous avez kiffé, qu'est-ce qu'ils font Dobby? Ils like et s'abonnent. Exactement. Et la petite cloche. Oh, la petite cloche, exactement, la petite cloche les gars, comme ça vous avez la notif dès que je sors une vidéo et tout, tu connais. Bref, plein de gros bisous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao ciao les gars. Mouah.